J'habite à Saint-Germain-des-Prés et chaque soir j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé pour courir le guilledou près de la Seine. Souvent on est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient musarader chez nos misères. C'est bête, on voulait s'amuser, mais c'est raté. On était trop fauchés. Regardez-les, tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leurs emblèmes. Regardez-les, tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés font bien des rêves. Quand même, ils parlent le latin et n'ont plus faim. À Saint-Germain-des-Prés, si vous passez rue de l'Abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, près de la Seine, regardez le monsieur qui sourit, c'est Jean Racine ou Valérie, peut-être Verlaine. Alors vous comprendrez, Jean de passage, pourquoi ces grands fauchés font du tapage. C'est bête, il fallait y penser. Saluons-les.